Ah, oh, il y en a beaucoup trop, je vais jamais pouvoir. Vache. Putain, et la toile, non. Je vais y rester, c'est sûr. Fais chier, j'ai plus de balles. Salut tout le monde, c'est Logereux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Void Bastard. Alors, cette fois-ci, bah, on va continuer de progresser, essayer de voir un petit peu si on peut débloquer de nouvelles choses. Je vois que je suis pas en très bonne santé. Et je crois que celui-là, ou celui-là, je sais plus, il vient de me parler en fait d'un vaisseau qui permet de se soigner, en fait. Là, on trouvera de la nourriture, là, des chabottes. Thérapie, nouveau trait, balle étourdissante, ouais. Bon, de toute façon, là, on n'a pas le choix, il faut faire ce vaisseau-là. Donc, on va faire ce vaisseau-là, on va récupérer de la nourriture, des matériaux, très bien. Il n'y a que des concierges, donc normalement, on ne devrait pas être trop mal. Et en prime, je vois qu'il n'y aura pas de tourelle ni de guetteur, donc c'est vraiment le pied. On y va. On dock. Et si on essayait... je sais pas si on essaye tout de suite le nouveau joujou. Non, je vais attendre un peu. Pour le moment, le pistolet fait bien l'affaire contre les concierges. On va en rester là. J'ai bien envie de l'essayer, mais j'ai que 12 balles. Donc ça serait franchement du gâchis. On est parti. Alors, la barre est là. Ça veut dire qu'en sortant, je passe dans l'atmo. Droite, tout droit. Passe par le dîner et que je continue comme ça. Très bien. Oh merde, il n'y a pas de jus. Ouais, objectif, remettre le courant. On va commencer par ça alors. Ouais, je peux toujours passer là, me taper la zone du moteur, le compacteur à ordure. Ouais, je vais essayer ça. Franchement, j'adore tous les petits détails qu'il y a dans ce jeu, quoi. Je le trouve très très bien pensé. Bon. N'oublions pas qu'il faut pas trop traîner, parce que plus on traîne et plus les éventuels ennemis vont apparaître. Mais meurs! Oh la vache! M'a mis la misère celui-là. Super, ça commence bien. De toute façon, il va falloir que je repasse pour vérifier les conteneurs, j'imagine. Et voilà, pas d'électricité, fais chier. Oui, donc là, il faut vraiment qu'en priorité, j'aille au générateur. Après, on verra. Ça, parce qu'il n'y a pas de jus, mais il fait pas noir non plus. Si je dis pas d'ânerie, ouais, je suis juste à côté, super. Ah, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. En fait, ce serait plus malin de ma part d'aller directement à la barre. C'est ce qu'on va faire. On va essayer de se le faire de façon stratégique. Aïe. Ah, il arrive toujours à m'en coller une, c'est rageant. Ok, super. Alors. J'ai trouvé des mérites. Super génial. J'entendais pas. J'ai vu un. Ouais. Aïe. Oh, la vache, je suis pas en grande forme là. J'aimerais bien éviter de mourir bêtement. Vous savez quoi? On va prendre les positions des ennemis. C'est cher, mais tant pis. Ok, donc il y en a un là, avec une faille. Là, il y a une faille, fait chier. Et en même temps, il faut absolument que j'aille là pour récupérer le beau butin, quoi. Ça, c'est réglé. Ouais, il faut vraiment pas que je traîne, hein. Normalement... Ouais. Avec un peu de chance...
dois pouvoir l'éviter. Merde, raté. Il débarque vite, hein, le salaud. Salopard de citoyen zombie de mes couilles, là. Je suis presque mort, ça fait chier. Je vais déjà m'enfermer, le temps de chercher. Et il faudrait que je prenne le temps, en fait, de gaspiller de la nourriture en restant au chaud, quoi. Là, il faut vraiment pas que je meure parce que j'ai récupéré tous les bons trucs. J'ai au moins deux ennemis autour de moi, donc je peux essayer de tac-tac et loquer derrière moi. Ça pourrait être une idée, ça. Pas du tout envie. Et elle fait chier. Oh oh. Ça pue, ça pue, ça pue. Ça pue. Je crois que je devrais partir en fait. Je vais tracer. Oh ouais, je vais tracer, hein. Tracer me paraît une excellente... Oh putain, la porte est pétée. Fait chier. Mais oui, tracer me paraît tout à coup une merveilleuse idée. Je suis pas dans le truc à oxygène là, mais il me semble que si. Ah voilà. Déjà, ça me permet d'éviter de crever asphyxié comme un gros con. Non, je vais me rentrer là. Ce serait vraiment trop con de mourir maintenant alors que j'ai chopé tous les trucs nécessaires. Hop là. Bon, bah ça a été un petit peu plus compliqué que ce que j'aurais voulu, hein. Oh la vache. J'ai pris cher, hein. J'ai vraiment pris cher. Donc tout ça, j'arrange. J'ai de la nourriture pour 10 jours. C'est pas fameux, fameux. Très bien. Ça assomme les ennemis mécaniques. Génial. Je veux juste vérifier un truc. Je peux construire l'ampoule? Je peux. Alors je construis l'ampoule. Oui, bah deux secondes, tu permets. Génial. Ça, je pense que ça va être vachement utile. Impressive. Now activate locate mode to find the parts needed for an item you desire. D'accord. Ah, c'est super malin. Donc on va pouvoir choisir nos missions maintenant en fonction de ce qu'on risque d'obtenir ou pas. C'est génial. This is exciting. Ouais, vous savez quoi? On va essayer là. Je pense qu'il vaut mieux essayer de viser un nouvel équipement en pensant que le personnage risque d'y rester plutôt que l'inverse. Une torpille cachée. Bon bah, je vais essayer de trouver ça aussi. Touristes et ados, quelques... s'il n'y a pas trop de monde, c'est bien. On va y aller. On va se reposer. En espérant trouver un peu de nourriture, quoi. Ouais, en espérant. J'ai 145 points de vie. C'est pas fou, mais ça fera l'affaire. En tout cas, on va faire comme si ça fera l'affaire. Hop là, et hop là. Génial, j'ai 3 armes maintenant. Eh, c'est luxe. Ok, c'est un vaisseau tout en long, intéressant. Objectif collier contrôle, donc je vais commencer par aller à la barre, ce qui veut dire qu'en sortant, je vais à gauche, puis encore à gauche, et à gauche, et à gauche. Très bien. Du monde en face, c'est putain une tourelle. Ça, c'est super qu'il y ait des gros là. Voilà, boum, tout le monde pète. C'est génial. Franchement, ces ennemis là, les touristes, moi je les adore parce qu'ils te permettent de faire une économie de munitions. Génial quoi. Bon, après, si je gâchais pas tout en tirant n'importe où sur les ados.
ça serait mieux. La toile, elle va me faire chier. Ouais. 4 points de trad, d'accord. Je sais pas encore à quoi ça sert, mais ça m'intéresse. Eh, les ennemis lâchent du stuff parfois, ça c'est chouette. Aïe. Oh, ça... J'ai morflé, hein. Boire du thé, ça pourrait me rendre service, ça, carrément. Il faut que j'aille où? Tout droit, vers la barre, tout à fait. Des vilains pas beaux? J'en vois pas. Parfait, oui, effectivement, là, il y a du boulot. Je peux aller tout droit. Ouais, je crois que c'est ça. Tout droit, il y en a un. Il y en a un autre là. Ouais. Ici, normalement, il y a quelque chose que j'ai raté. Quelque part par là, peut-être. Ah oui, là. Putain, je suis aveugle. Oh, vache. Voilà, j'adore vraiment le rendu graphique de ce jeu, quoi. Je le trouve incroyable. Et l'autre truc, il est censé être de ce côté? Bah, où? Non, ça va être dans la pièce d'à côté, évidemment. C'est ça, c'est sûrement là, puis là. Voilà, ça va être quelque part par là. Sûrement dans ce casier, d'ailleurs. Ok, j'ai trouvé, je pense, tout ce qui m'intéressait. En tout cas, la quête principale, c'est bon. Je sais pas encore à quoi ça sert, ces machins. Au pire, ça partira au recyclage. Faut que je fasse l'autre côté du vaisseau, maintenant. Et j'aimerais bien trouver cette torpille cachée. Elle est pas par là, visiblement. Éviter. Oh oh. Pas que je traîne trop dans cette pièce. Ça doit être ça à tous les coups. 25 passes, à tous les coups, c'est ça. Injecteur FTL. Non, raté, c'est pas ça. Putain, j'aurais bien voulu que ce soit ça, mais c'est dommage. Raté. Génial. Ça, c'est fermé. Ici, c'est locké, très bien. Je voudrais bien loquer les deux portes, mais bon, on va déjà loquer celle-ci. Ah, j'ai peut-être fait une connerie. Ouais, je crois bien que j'ai fait une connerie. Là, j'ai rien. Et là non plus. Bon. Bah, j'ai fait une connerie, c'est pas la première. C'est pas la dernière. Fais chier. Ok, tout ce bloc-là est verrouillé. Donc ils peuvent spawner tant qu'ils veulent, je m'en contrefous. Vous allez voir qu'à tous les coups, c'est celui-là. Putain, si c'est ça, ça me fout les boules, hein. Mais vraiment. La torpille, elle est censée être quelque part par là. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça va me faire repasser par le... Oh putain, non, ça c'est pas une bonne idée du tout. Oh putain, j'avais oublié que j'avais mon zapper. C'est bien, c'est pas ruineux du tout, hein. Torpille, putain, la voilà. Cette fois-ci, j'ai tout. Un petit coup d'oxygène, merci. Non. C'était le mauvais clic, dommage. Super, ben on évacue, copain. On évacue et on est bon. Quel talent. Mais quel talent, c'est pas possible. Et voilà. Une deuxième mission rondement menée. Allez hop, dernière image. La torpille, je sais pas encore comment on est censé s'en servir, ni à quoi ça sert, mais je suis sûr que ça finira par être utile. Et je crois que j'ai pas pris trop de dégâts dans la gueule. Le Chabot, Kezako. WCG rewards proactive work. I'm making a note for your parole hearing. Oh, comme c'est bien gentil. Si je meurs pas d'ici là, ça me sera sûrement utile. Donc, distraire le char robotique qui explose quand il est détruit. Ok. Donc c'est une espèce de leurre, j'ai l'impression. Génial.
Génial, génial. Bon, vous savez quoi, on va essayer de se faire celle-là et on va terminer la vidéo dessus. Une poignée d'ados. Il faudra sortir par un autre sas, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Je vois qu'il y a des passes, des agrafes. D'accord. Bah les gars, on y va. Hein. On va se reposer un petit peu quand même. Il me reste pas des masses de bouffe. Hein. C'est un peu chaud. Allez, on y va. Ouais, on se doc. Bon, entre 12 et 12, hein. On va essayer le nouveau, tant qu'à faire. Et je vais garder le zapper, puisque pour le moment, le chat, j'ai pas non plus l'impression que c'est forcément indispensable. On est parti. Je suis là et je devrais sortir de l'autre côté. Nickel. Au moins, c'est logique. Ah, fais chier. Tiens, meurs, t'es gentil. Ah, ça, ça fait chier. Faut que je trouve le courant, évidemment. Putain, quelle perte de temps. Donc, droite, droite, et deuxième porte. Super. Droite. Et deuxième porte. Super. C'est quoi, ouais, venez. Voilà, ça vous a plu? Je crois qu'on est pas mal. Oh, la vache! Je me demande si... La vache, je vais être vraiment à court de munitions assez vite si ça continue. Hein. Il me reste 5, 4 balles. La vache, je vais être obligé de le rusher en fait, si ça continue. Putain de merde! Ah, il y en a plein! Ah, il y en a beaucoup trop, je vais jamais pouvoir! Vache! Putain, et la toile, non! Je vais y rester, c'est sûr! Fais chier, j'ai plus de balles! Bon, mon seul moyen, ça va être de le rusher comme un gros, gros porc. Je vois pas d'autres solutions, là. Et je sais absolument pas où trouver l'imprimante pro pour le moment. Bah, les amis, je crois qu'on va finir sur un échec et qu'on continuera le prochain épisode avec, avec un nouveau perso, hein. En tout cas, ça m'a l'air bien parti pour. Pousse-toi, la brute qui t'a dos, là. Il y en a un là. Oh putain, génial, j'ai trouvé quelques agrafes. Ça, c'est la bonne trouvaille. Putain, mais il meurt. Voilà. L'espoir revient, les amis. L'espoir revient. Oh la vache. Ça me sauve le cul, là, la trouvaille des agrafes. Mais tellement... Bien, je suis enfermé, c'est merveilleux. Avec un peu de chance, il y aurait une... Des fois, il y a des passages entre les salles, mais là, je crois que j'aurais pas cette chance. Non, j'aurais pas cette chance. Donc, clairement, il faut que je sorte et que je prenne à droite. On va essayer d'y aller discretos. Putain, je peux pas fermer cette porte. Ça, c'est la merde. Ça, c'est la merde. En revanche, je vais complètement verrouiller derrière moi, ça c'est sûr. J'y suis allé un peu en bourrin, je crois, sur ce run. Un peu trop. On va prendre les positions des ennemis, parce qu'avec 10 points de vie, là, enfin 11, je vais pas faire long feu. Hein. Putain, il y en a pas... Comment ça, c'était là? Oh, je suis passé à côté comme une vieille merde. Bon, eh bien, souhaitez-moi bonne chance, parce que ça va être chaud. That part is valuable.
die before returning it to the Steve. Ah bah merci, c'est mon but, figure-toi. Je crois que j'ai tout pris, ok. This announcement is not in use. Ah, j'ai claqué un nombre de charges explosives terrifiant pour des tout petits ados tout pourris, quoi. Là, faut que je trace tout droit. Putain, il y a une tourelle là, donc faut que je zappe la tourelle. Et il y aura un ado en plus à gérer. Quoique j'ai l'impression que la tourelle, elle est derrière un mur. Avec un peu de chance. Ouais, avec un peu de chance, je peux attirer l'ado. Je vois pas de faille. Et ça, c'est une il y a juste une faille ici. Il faudrait que j'arrive à contourner, verrouiller ici. Et au moins je serais tranquille, il faudrait que je fasse tout le tour pour venir me casser les couilles. Ça on va oublier. Voilà. Ou alors je trace. Je trace pour sécuriser l'imprimante au moins. Ça pourrait être une bonne idée. Ça c'est beaucoup plus chiant. Voilà. J'ai pas du tout envie de me taper une... Eh merde, un autre qui arrive. Ah, vous n'allez pas tous vous passer le mot non plus, hein. Je crois savoir qu'il y a une putain de tourelle dans cette pièce. Non, elle est là, d'accord. Ça, on va le loquer, hein. Parce que j'ai pas du tout envie. Ok, donc ça, c'est très bien. Les gens qui viennent de la faille là pourront pas venir me tomber sur la gueule. Ça, on oublie. Et je vais pas risquer ma vie pour ça. Bah vous savez quoi, on sécurise ce qu'on a. On sécurise complètement ce qu'on a, tant pis pour l'héroïsme. Avec 11 points de vie, je prends pas le risque. Surtout avec le peu de munitions qui me reste. Allez, salut, merci, bande de nazes. Wouhou ! I know you are looking forward to receiving a special commendation. Oui. Please keep looking forward while you search for an ID card. Oh, salopard. Bon bah les copains, voilà. On aura au moins réussi à obtenir l'imprimante dans cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas que je compte très fort sur vous pour me laisser un like, pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait plaisir et ça aide beaucoup la chaîne, croyez-le. Et moi je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Bonjour chez vous.